Alors, l'installation est terminée. Comme vous pouvez voir, la finition est pas mal. Ici, il y a un léger décalage. Pourquoi? Parce que on a fait passer des câbles et on n'a pas mis la vis pour serrer, pour savoir si le client souhaite avoir les USB ici dans la boîte à gants ou s'il veut les mettre ailleurs. Donc ça, on attend pour pouvoir bien remettre en place, qui sera comme ça une fois qu'il aura décidé. Parce que ici, c'est juste clipsé en fait, hein, tout simplement. Pour la mise en route, bah, la clé, elle est ici. Il n'y en a pas besoin. Regardez. Voilà, ça allume directement à la dernière source utilisée. Voilà. Sinon, l'autoradio, donc, c'est presque un Android sans lettres. La source qu'on écoute. Puis ici vous avez tous les menus, donc voilà, radio, CD, Bluetooth, caméra, donc c'est prévu pour une caméra avant ou arrière. Donc là, si on veut personnaliser le menu, Apple CarPlay, donc c'est compatible Apple, les produits Apple, Android Auto, le téléphone, et donc après ici vous avez pas mal de petites choses. Comme la lecture de vidéos par USB, via aussi la musique, iPod, il y a une prise HDMI, entrée et sortie auxiliaire, navigation donc pour le GPS, et puis les différents réglages du son, etc., etc. Enfin, voilà, c'est un produit qui est quand même assez complet. Pour notre part, Alpine a été un très très bon produit il y a une dizaine d'années en arrière. À la date d'aujourd'hui, pour nous, ce n'est plus la référence, à part pour la qualité sonore. Et encore, c'est discutable suivant le véhicule. Voilà, là, le prix d'un autoradio comme ça, c'est pas donné. Et pour notre part, on propose des produits de remplacement. Un peu plus complet et surtout moins cher. Voilà, donc pour ceux qui veulent chercher, hein, voilà, la référence, elle est ici, un Alpine INEW 611D, qui est un bon produit, il n'y a pas de souci, mais en termes de prix, c'est pas justifié. Enfin bref, ça c'est notre avis qui n'engage que nous. Voilà, donc pas de commande au volant. À ce prix-là, malheureusement, pas de commande au volant. Ça, c'est bien dommage. Et puis en termes de connectique, hein, vous voyez, sans la clé, l'autoradio continue de tourner. Il aurait été préférable que ça ne, enfin, que ça s'arrête aussi en retirant la clé. Bon, enfin bref. Sinon, pour tout le reste, tout fonctionne. Il n'y a pas de souci, c'est assez réactif. Bon. En même temps, heureusement, hein, vu le prix, vu la marque. Mais sinon, voilà, c'est fonctionnel. Il y a tout ce qu'il faut, sans aucun problème. Si j'ai une autre critique à faire, c'est que c'est un autoradio qui est DAB. Et au final, ils ne fournissent pas le nécessaire pour le DAB. Voilà, donc ça c'est... Alors où est-ce qu'il est? Voilà, le DAB. Et il n'y a pas le nécessaire. Donc il va rester sur recherche. C'est normal. Il ne trouvera jamais parce qu'il n'y a pas le matériel. Donc je trouve que là, c'est un gros point faible pour la marque qui à chaque fois rajoute des options pour alourdir encore plus la facture. Mais bon, après, chacun voit selon sa nécessité. Et voilà. Donc le produit a été installé, il n'était pas du tout prévu, enfin ce genre de produit n'est pas du tout prévu pour ce genre d'utilitaire. Donc ici c'est un Renault Master, pareil que les Opel Movano et Nissan, je ne sais plus comment, mais voilà, ils ont tous le même look, le même tableau de bord. Il faut savoir que à l'arrière, en fait, pour mettre un double DIN traditionnel avec un lecteur CD DVD, c'est très compliqué en fait de pouvoir l'installer avec la découpe qui est fournie, parce que derrière il y a tout un, bah déjà au niveau épaisseur des câbles,
L'autoradio est fourni avec énormément de câbles. C'est très difficile à les mettre en place. Et en plus de ça, la profondeur n'est pas. Elle est vraiment pratiquement au millimètre. Donc on a réussi à intégrer, mais je vous dis, on a passé un bon 2 heures pour pouvoir que faire la finition. Tout le reste a été très rapide, il n'y a pas eu de souci. Rien que la finition, on a mis 2 heures. Et on s'est mis la pression. Voilà. Comme ça, vous avez un visu. Au-dessus, là, l'antenne GPS. Donc pour la fonction GPS. Et puis, ça fonctionne très très bien. Présélection. Si je mets un peu de son. Voilà. Et ça fonctionne parfaitement. Voilà.